troisième année que vous participez à la balade gourmande. Qu'est-ce qui vous a fait en particulier? Bah, d'abord ici, c'est tout petit. Oui. Première chose. La deuxième chose, c'est bien organisé. La nourriture est bonne. Ah. Parce qu'il y a certainement, je dis, pour ça également. Toujours, vous avez eu des 50% bon, 50% moyen. Ici, nous n'avons jamais eu aucun souci de rien. Et les deux années précédentes, vous vous êtes bien amusé? Ah oui, chaque fois, bon, c'est très, voilà, très dur, comme on dit, parce que ça grève beaucoup au départ, mais après, c'est magnifique. Il y a beaucoup de bois, il y a des prairies. On voit beaucoup mieux qu'on ne verrait jamais. Et ça vous donne l'occasion de prendre l'air et de vous promener, voilà, également. On prend l'air, on marche un petit peu. Des endroits qu'on ne connaîtrait pas, qu'on se dit quelle ville, quel site, on ne sait même pas qu'on a bouti ici. Et puis bon, je vous dis, on prend l'air, puis on mange, on découvre des produits locaux. Parfois, c'est des fois, on vit. Donc on se dépense. On marche pour perdre des calories et puis on les récupère, c'est ça? Non, c'est pas du tout ce but-là. Maintenant, bon, les gens très souvent ici marchent, je veux dire, doucement, nous ne marchons pas doucement. Mais c'est pas le fait de. Non, c'est le fait de pouvoir l'air, de marcher qu'on ne ferait pas. On ne dira pas on va aller marcher 7 km ou 9 km. C'est-à-dire qu'ici, on les va pas les faire parce qu'on a hâte, parce qu'on va manger. Je crois que c'est pour le plaisir de la nature et de la restauration. Ça va. Ok, ça va. Je souhaite une bonne semaine. Merci beaucoup, au revoir. Nous sommes dans le futur local du syndicat d'initiative. Futur ancien local. Futur ancien, d'accord. On va d'abord demander à Claude Honoré qu'il nous parle quelque peu de la balade qui a été organisée aujourd'hui et qui est toujours en cours d'organisation. Oui, dans la mesure où la dernière personne ne pense pas partie, mais jusqu'à présent, tout s'est bien passé. Il y a toujours les petits soucis. La dernière minute, il y a une clé qui attend quelqu'un qui vient la chercher, ou il y a un problème de groupe électrogène. Mais au moment où le premier baladeur mouvement arrive, tout est prêt. Et combien avez-vous d'inscrits? Nous avons 118 inscrits payés. Oui. Je retourne vers le pourquoi. Ça sera plus ou moins 120, parce qu'il y a peut-être une personne qui ne sait pas venir, deux qui n'avaient pas prévu, qu'on a quand même laissé partir. Des passagers clandestins, c'est vrai. Oui, qui ont quand même payé leur écho, donc tout va bien. Fabien, un bénévole de luxe. Donc, enfin, parce que j'ai vu que tu venais. Ça fait 4 ans que je suis membre du syndicat d'initiative, ça fait 4 ans que je participe aussi à l'organisation. Il n'y a pas de raison qu'on change de fonction, qu'on change d'attitude. Donc, je continue. Bien entendu. Et les points forts aujourd'hui dans la. Niveau du trajet? Au niveau du trajet ou de. Oui, ben, de quoi que ce soit. C'est costaud dès le départ, puisqu'on part le château de la Fonderie, la Croix-Navette, et puis les prairies de forêt quasi, et puis en redescend sur la rue Navette, où là il y a un apéritif, et puis de la rue Navette, on apprend l'ensemble de la rue Navette, on traverse la Grand Rue, on revient vers le Grand Pré, 200-300 mètres de Grand Rue, c'est tout. Une rue de qualité. Et quel genre de public avez-vous? Des personnes jeunes, des âgées? Il y a un peu de tout. Il y a toute tranche d'âge. Je dirais que la personne la plus âgée que j'ai vue n'était pas la petite septantaine. Et le plus jeune, il doit avoir 2-3 ans. Donc voilà la fourchette. Eh bien, d'accord. Et des gens de grosse majorité de la commune, quelques extérieurs, mais qui ont un lien avec la commune à un moment donné. C'est la quatrième, la quatrième. Donc vous êtes déjà prêt pour la prochaine. Vous avez déjà plein d'idées pour l'organisation. On a déjà fait le tour de beaucoup de coins de la commune. Il va falloir maintenant commencer à être un peu plus imaginatif pour les trajets. Mais bon, il y a une idée qui commence à faire son chemin à partir de la Casbah, 13 Lanster, descendre sur le Maison-Vaux et puis remonter sur un beau village que je ne connais pas, Gré-Anster. Gré-Anster. Commune de Trou. Oui. Gré-Anster. Mais on va demander à M. le bourgmestre de nous parler un petit peu. Une partie est sur Trou, l'autre partie est sur Rhône. Mais il y a encore des habitants de Trou à Gré-Anster. La partie gauche de la route est sur Trou. Et la partie droite est sur Rhône. Eh bien, nous tenterons prochainement de faire connaissance avec une partie de notre localité que nous ne connaissons pas. Un magnifique jardin là-bas qui est dans les jardins classés, Wallon et tout ça, super. Il y a une personne qui a un jardin magnifique. Tiens, à propos de classés, il y a une dizaine
de, pas de sites, mais d'endroits classés sur Trou. Ce serait peut-être bien aussi de faire une balade avec un thème, les, ah, ça peut se faire, les endroits classés. C'est fort long, hein, parce qu'ils sont très, très disparates sur la commune. Peut-être en voiture. On a le même charme. C'est une idée. D'accord. Et que pensez-vous des derniers événements, M. Bourgmestre? Donc, de quoi, les avocats, vous étiez en congé, évidemment, hein, donc le feeling pour prendre les congés au bon moment. Évidemment, c'est le hasard. Hein, donc, non, je remercie Henri Dombas pour son efficacité pendant ces moments-là. Les derniers événements, c'est qu'il va falloir qu'on s'interroge sérieusement sur les gouttages et les écoulements d'eau dans certains endroits de la commune. À nouveau, majoritairement sur des endroits du Met, avec qui nous avons quelques problèmes, mais je rencontre bientôt le directeur pour mettre tout cela au point. Vous lui remettrez mes amitiés. Je ne pas de remettre vos amitiés, c'est assez chaleureux. Maintenant, d'un point de vue général, le travail effectué par les services communaux ont été appréciés par la population. Les services communaux ont été très efficaces, ils se sont vraiment appliqués. On m'a dit en avoir vu certains à plat ventre, dans la boue, pour essayer de déboucher des égouts. Donc ils ont vraiment été très très efficaces et ils seront remerciés de toute façon en temps voulu.